Ok, merci Saint-Esprit. Locum Muni Monsanto. 1 Chronique chapitre. Non. Allons là où le Saint-Esprit nous amène. Alléluia. C'est bien d'obéir ce que le Saint-Esprit. 1 Chronique. 1 Chronique chapitre 11, verset 9. 11, 9. 1 Chronique chapitre 11, verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel des armées était avec lui. Tu continues? Non, ça va. Je vais m'excuser. Alléluia. Amen. La Bible dit, David, Thomas David, devenait de plus en plus grand. Et l'Éternel des armées était avec lui. Nous connaissons qui était David. Comment il était ouais. Comment il a marché avec Dieu. Et la Bible nous révèle l'un des secrets qui a fait que David puisse devenir de temps à temps fort. Alléluia. Amen. La Bible dit David devenait de plus en plus fort car l'Éternel était avec lui. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, si l'Éternel n'était pas avec David, David pourrait devenir de plus en plus faible. David, il devenait de plus en plus puissant parce que l'Éternel était avec lui. La présence de Dieu faisait que David, au lieu de s'affaiblir, au lieu de régler, au lieu de pleurer, au lieu de tomber malade, mais David devenait plus en plus fort. J'aimerais dire à quelqu'un, pour devenir fort, tu dois être attaché à celui qui est fort. Parce que pour devenir fort, ça dépend pas de ton intelligence, pour monter
choses. Tu es dans les zéros. Où t'es fait dans les millions. Il n'y a que la présence de Dieu qui peut t'amener là où ton diplôme, là où ta force ne peut pas t'amener. Souvenez-vous d'Esther. Esther était Ophélie. De père et de mère. Ça, c'était une limitation pour lui. Alléluia. Amen. Ophélie. Mais lorsqu'il s'est attaché à Mardoché, Mardoché c'était un homme qui est un Dieu qui était puissant. Oui. Qui était puissant. Alléluia. Amen. Mardoché a enseigné à Esther Jésus. Mardoché est un Esther Jésus. Le père des orphelins. Papa. Et que la famille sera bénie. Mais laisse-moi te dire, il y a un secret. Et ça, là, bon, bah, dans ce monde, dans mon kilo, tu ne peux pas régner si tu ne peux pas t'attacher avec les dieux de ce monde. Ceux qui les gens voient ce qui se passe comme ça, bah, bah, tellement ils sont limités, ouais, t'es basé, il n'y a pas parce qu'il est caché derrière. Bah, bon, là, ouais, bon, bah, mais, si, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons choses comme ça. C'est pourquoi Dieu a dit à son serviteur, le prophète Samuel, les gens regardent l'apparence, mais moi je regarde les cœurs. La vraie bénédiction vient de Dieu. Vient de Dieu. Amen. Proverbe chapitre 10, verset 22. La Bible dit quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui a réussi. Or, c'est-à-dire, il y a notre bénédiction. Et ça va pas bon, ne suis pas. Ce que nous appelons bénédiction, sanctifié ne sont pas des bénédictions. Parce que Proverbe continue à dire, ne fait suivre dans quel chagrin. Il y a notre bénédiction est suivi des chagrins. Oh, pour être élevé, la position est là. Mais tu dois sacrifier
Kimia. David a dit, comment David a le bâti, je m'adore. Et je me réveille. Car toi seul, qui assume la sécurité dans ma demeure. Ma sœur, mon frère, la présence de Dieu. Vous allez s'aller ensemble. 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 Alléluia. Amen. Ce matin, il avait décidé. Dieu m'avait donné de prier. Lorsque j'ai vu ce qui s'est passé hier, j'ai compris des choses. Seigneur m'a réellement délivré. Amen. Le Seigneur m'a réellement délivré. Alléluia. Amen. Pourquoi j'ai dit ça? Je suis grandi dans la commune de Kalam. Dans un quartier Kauka. Là où nous habitons. Là où nous habitons. En face de nous. En face de nous. Il y avait. Il bat. Il y avait Ezalakina et Sigana. Et Sigana à partir des 10 heures. Au Banaran, on va dire. Juste de la musique. Il y a des musiques. Ils sont venus dans le pang. Il y avait des gens qui sont passés. Parce que la maison, maman ne voulait pas que la musique en anglais. Et dans la maison, quand tu as un peu la musique, maman refusait que la musique puisse jouer là-bas. Alléluia. Amen. Maman ne voulait pas que tu aies la musique en anglais. Maman, alors, on a dit qu'on puisse. Mais pas les gens qui n'ont pas la musique. Mais. Alléluia. C'est bon, magie. Amen. Alléluia. On dansait. Alléluia. Amen. Nous étions tentés. Nous sommes tombés. Malgré. Quand ils posent la bisotte. Ce n'était pas notre musique. Ils ont mis ta wana. Mais la puissance wana. Ils ont poussé la bisotte. Ils ont dit qu'à bien sûr, on puisse danser. Alléluia. Amen. Mais tu résistes. Mais tu refuses. Mais après, ça commence. Là. La présence de Dieu n'était pas nous. Et le que vous êtes censé être quand nous étions liés. Donc, Karamaki. Alléluia. Liés, papa. Donc, Karamaki. Alléluia. Liés. Donc, Karamaki, oui, papa. Donc, Karamaki. Alléluia. Amen. Le but des hommes bêta. Et de l'état, c'est un jouet. L'humanité, laquelle Seigneur merci. Je dis merci Seigneur. Il m'a délivré. Oh, comme la maille. J'ai compris. Et la glory. Nous avons mis la musique à mon kili. Les gens qui dansent là, c'est qui mondaine. La semence moko et ça ensemble. Oui, dans son intérêt, il n'y a pas de semence. Cette semence qui la pousse. Et ça, les gens qui ont dit là, à ça là. Mais si en toi, soyez tactiques là. Il n'y a pas cette semence. Au sein là, les gens qui ont dit, tu ne peux jamais le faire. Non. Aux hommes à coutu, ils ont besoin de pousser, ils comprennent que mon guileuse a pas mal. Eh, tu vas, on est comme maillot, tu comprends qu'il y a la vanité de vanité. Tu te rembats, frère Edouard, il s'en fout. On a changé frère Edouard, j'ai mort. Atigani. Il a une guileuse, c'est quoi? Amour scolaire, amour abana. L'amour, il y a, il a duré. Il est parti. Je te montre qu'un jour tu vas faire quoi? Tu vas mourir aussi. Te pousse à comprendre. C'est matin. La ma prière était Seigneur, merci. Et la nouvelle encore pas maman. C'est ma délivrance. Et la deuxième, si j'ai de prier. Et j'ai prié pour nos sœurs. Le Dieu qui nous a aidés. Le Dieu qui nous a délivrés. Une chose est vraie. Tu ne peux pas abandonner le péché par ta propre force. Amen. Si le Saint-Esprit te convainc, jamais tu ne seras. Ceux qui savent, si Dieu ne te délivre pas personne. Rien. Le Dieu qui nous a délivrés. Il est aussi capable de vous délivrer. Alléluia. Amen. Et ma paix le mal était quoi?
Quand tu te réveilles le matin, et que tu vas voir comme tu as des courbatures partout, comme on t'a tapé la nuit. Dieu est avec toi. Maman, Dieu, ça passe en haut. Non, Dieu est bon. Zaba malam. Dieu puissant. Zaba langouya. Ah! Alléluia. Le matin quand je me réveille, je vois vraiment il y a. Nabi, ah! Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais la nuit? Je me suis dormi à 18h. Je me suis réveillé à 8h. Mais je sens des courbatures partout. Je ne savais même pas la nuit, j'étais comme une ballon à jouer. Il y avait peut-être quelqu'un qui me tapait. Il y avait des gens qui me montaient dessus. Non, que Dieu soit béni. Oh, Kola, sur le coup, moi. Il nous a délivrés. Oh, Yakamo la Bisson. Il nous a délivrés. Oh, Yakamo la Bisson. Il nous a délivrés. Oh, Yakamo la Bisson. Alléluia. Amen. Je ne peux pas te condamner. Un prédicateur ne condamne pas. Non, non. Il y a trois choses que nous visons. Première chose, c'est édifier les chrétiens. Édifier les enfants de Dieu. Deuxième chose, c'est gagner les âmes. Troisième chose, équiper les serviteurs. Alléluia. Amen. Je vais donner mon propre témoignage. Comment Dieu m'a délivré. Alléluia. Amen. Terrible. 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 La musique qu'on aime. Pour abandonner la casse par tes propres forces, tu ne sauras jamais. Accroche-toi à Dieu. Sa présence va t'aider. Dis Seigneur, le bancolo, la coquité. Et je ne peux plus. La coquité. Aide-moi. Soumanga. Aide-moi. Soumanga. J'ai vu dans la Bible. Dans la Bible. Lorsque Pierre marchait sur les eaux, lorsqu'il regarde le vent, les vagues. Et ça commence à descendre là-bas. Alléluia. Oui. Et Pierre a dit, Thomas, Seigneur, aide-moi. Peut-être que tu as dit de chavirer là-bas. Seigneur, dis à Seigneur, oh, fais-moi sortir. Fais-moi sortir. Laisse-moi te dire, la délivrance. Pour obtenir la délivrance, c'est facile. Et ça, c'est très facile. Et ça, ben, si tu ouvres seulement ton cœur, après avoir réussi la délivrance, c'est ce qui est plus important. Comment la maintenir? Comment la maintenir? David devenait plus en plus fort. Plus en plus fort. Car l'Éternel était avec lui. Alléluia. Amen. Je sais, les combats sont là. L'ennemi, il veut que tu deviennes faible. Que tu puisses abandonner ta vie de prière. Peut-être les inquiétudes dominent ta vie. Tout autour de toi, il y a des problèmes. Et tu te poses des questions, Seigneur. Seigneur. Non, laisse-moi te dire. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Restez dans sa présence. Restez dans sa présence. La Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est lui qui demeure. Ce qui ne pas manquer, il va te conduire à les eaux paisibles.
C'est pourquoi il a dit à Abraham, marche devant moi. Marche devant ma face. Et sois intègre. Devant ma face. Par la face de Dieu. C'est Christ qui est la face de Dieu. C'est lui qui m'a vu avec le Père. Alléluia. Amen. Tu dois être dans sa présence. Alléluia. Parce que le monde te cherche. Le diable te cherche. Mais le diable ne peut pas opérer directement. Il va utiliser les désirs de ton cœur. Lorsque tu commences à suivre les désirs de ta chair, tu vas tomber dans le piège de l'ennemi. Et c'est alors que le diable viendra. Alléluia. Amen. La présence de Dieu qui chasse les démons. La présence de Dieu qui empêche la mort. La présence de Dieu qui empêche la maladie. Là où la présence de Dieu, la mort ne peut pas entrer. Souvenez-vous, lorsque Jaïs, sa fille était malade. Et moi, là, c'est malade. Lui qui était le chef de synagogue. Il adorait Dieu, il n'avait pas la guérison. Il a décidé d'aller chercher Jésus. Lorsqu'il a vu Jésus, il s'est prosterné devant lui. Il a dit : Maître, ma fille est malade. Pardon, viens avec moi. Viens guérir ma fille. Jésus a accepté. Parce que la première chose que cet homme a fait, c'était de lui reconnaître, adorer, a une signification élevée dans le monde spirituel. Lorsque tu adores Dieu, tu reconnais que c'est lui qui est le roi des rois, c'est lui qui domine sur moi. Lorsqu'il partait avec Jésus, la Bible dit qu'il y avait une personne qui était venue pour lui dire : ah, ça sert à rien d'inviter le maître dans ta maison parce que ta fille est morte. Jésus regarde cet homme, regarde Jaïs, il a dit : n'aie pas peur, crois seulement. Jésus a dit : pourquoi pleurez-vous ? Pourquoi ? Et la Bible a dit : il commence à manquer de lui. Jésus a appelé Pierre, Jean, avec les parents de la fille. Ils entraient dans la maison. Il était accompagné avec ses disciples. Mais pour faire ressusciter la fille de Jaïs, il avait Jean, Thomas Jacques et Pierre. Oh, c'est trois disciples. C'était significatif. Alléluia. Amen. Parce que Jean parle sur l'amour. Jacques parle sur la foi. Et Pierre lui-même aussi. Pierre parle sur la spiritualité élevée. Christ lui-même. Parce que Pierre prêchait Jésus. La première prédication de Pierre était sous Jésus. Il a montré au monde que Jésus. Alléluia. Amen. Pour que la résurrection se manifeste, nous avons besoin de Dieu lui-même, Jésus. La foi et l'amour. La foi et l'amour. La foi et l'amour. L'amour, c'est le fruit de l'esprit. La foi vient de ce qu'on attend. La foi, c'est la parole. Là où la parole et l'esprit s'accordent,
Alléluia. C'est la présence de Dieu. Les miracles ne se produiront pas. C'est la présence de Dieu. Les morts n'existeront pas. C'est la présence de Dieu. La délivrance n'aura pas lieu. C'est sa présence qui empêche l'ennemi d'opérer. C'est sa présence qui permet Dieu de nous visiter. Alléluia. Bien à ton prochain la présence de Dieu. Bien encore à ton prochain la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Saluez des personnes la présence de Dieu. Et banda la présence de Dieu avec toi. Saluez des personnes. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Toujours en amalam. Maintenant, Sigol, la présence de Dieu. Vous allez ensemble. Et la chose, les gens, vous allez ensemble, les amis, mais pas tout baligui à côté. Les gens cherchent ce que la présence de Dieu produit. Bah tout baligui car pas mon amour, vous allez ensemble, mais au sale. Les gens cherchent les miracles. Ils négligent la présence de Dieu. Mais balingi vous allez ensemble. La chose qui fait que les miracles sont. Mais comment ça que Mikamo est sale, mes amis, vous allez ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman. Maman. Le mariage. Et ça, ma cancer, un bon plan. Non, il bat là. Il y a quatre. Le mariage. Non, non, ne viens pas pour la beauté. Alléluia. Amen. Moi, c'est la beauté. N'oublie jamais. Liban. Le mariage. Ne viens pas pour la beauté. Non. T'es ça pour monter. Non. Pour monter. La gloire. Quel mot? L'élévation. Où tombe? Ne viens pas parce que tu es pêche. Non. Et y'a pas de quoi tu es parce que tu es fort. Faut dire ma capacité. Non. Mais. Non. Et. Il y a une chose. Ça, il y a un mot. Qui attire ces choses. Oui, ben la macamo. Si David devenait plus en plus fort, à ce temps-là, les gens ne connaissaient pas les secrets. Mais de l'autre temps, la Bible nous révèle les secrets. La chose qui est sur cette tombe, David, c'est que le Bouddha n'a jamais battu. Il faut ça Goliath. Devant Goliath, à quoi est-ce Goliath? Il a fait tomber. À un moment la même. Il a été un berger. Conseiller. Et le lion venait. À Kanimou, la mort va pâter. Il a pris. Il a une brebis. Mais le malheur était David pour elle. Il a ouvert une autre lion. Et il a fait sortir le brebis. Et les gens commençaient à dire David était fort. Mais la Bible était sa vie sauve. Les secrets. Oui, ça y est, ma bombe à vie. Amen. C'est la présence de Dieu. Et ça va vous aider ensemble. Si cette présence ce qui vous a ici, voilà, est installée et vendue dans votre famille, dans la maison, dans la maison, dans la maison, dans la maison, papa, maman, les choses, ils vont commencer à attirer des choses dans ta maison. Amen. Alléluia. Amen. Hier, j'étais avec papa Joël et d'autres hommes de Dieu. Et l'hôpital Saraki n'a pas été épaté. Oui, je le faisais montrer la photo de ma famille. Oui. Et ma première fille. Et moi, la rallye de son. J'ai dit à mon cœur. Dans le bien de mon thème, maman. C'était réellement. Et ça, c'est ce qui est bon. Hein? Oui. Zaki a solo. C'était vrai. Moi, la pauvre Zaki. Et que cet enfant allait partir. Quelqu'un qui était à l'hôpital. Mon thème, Zaki, dans l'hôpital. Une semaine. Pendant une semaine. Un joli athée. Il mangeait, faisait diarrhée. Il vomissait. Une semaine. Pendant une semaine. Ça qui est déjà. Il est déjà parti. Il est déjà parti. Il ne mange plus. Mais il sans mais vomissé. Il ne mange pas. Mais il vomissé. Alors ça a fait diarrhée. Oh, il fait ça pour diarrhée. Mais qu'est-ce qu'il vomissé? Oh, mais oui. Non, mais il vomissé. C'est pas ce qu'il a mangé. Il fait mal. Il peut vomir. Et mon coin de son, j'ai accepté. Et deuxième jour, mais une semaine. Alors ça a fait diarrhée. Il fait encore diarrhée. Allez-y comprendre. Donc Alice. Tout le monde le sait. Il est déjà parti. Mais le Dieu
Mais Zambé, Zambé, oh, ton nom est il m'a regardé. Non, il était sans ma tête. Ah, dit non, ça va pas se passer. Non, non, c'est pas toi. Non. David, a dit, Babé, et quoi, là, dans la vie, balayé. Tu as pleuré hier. Ceux qui ont passé un lobby, pas aujourd'hui. Tu as perdu hier. Ceux qui ont pris un lobby, tu as regardé l'outil. Et ça, il y a un lobby. Pas cette fois-ci. Tu es un ballon. Non! Hey. La présence de Dieu. Vous êtes en ensemble. Maman, maman. Aidez les enfants à être attachés à la présence de Dieu. Tous sont baba na baka mama na vous êtes en ensemble. Tous attachés à la présence de Dieu. Quand vous êtes en ensemble. Même la vie de péché. Attends, ma il y a Kobi qui m'a soumis. Va te quitter. Et go qui m'a aimé. Parce que le péché chasse la présence de Dieu. Pour être ma soumis et bien la vous êtes en ensemble. Et vous allez ensemble, monsieur, ça la ligne de la roue, ça m'a sou. Dieu va déposer dans ton cœur. Zamba, oui, bah, tiens la montée malade. La haine. Akoïna. De ce monde. Yamokilo. Mokilo, sa sanité. Et ce monde est très sale. Très bizarre. Et ça, Pensa ma paix. Alléluia. Amen. Même dans cette petite fête. Hier, j'ai, dans la fête, j'observais. T'as une vie. Et j'ai regardé la vie. Et lorsque la personne est restée nue. Il est allé prendre le fer. Et Dieu a tué l'animal. Il a pris. Il vient là-bas le mettre là. Christ est venu. Il a vu un homme fou. Il habitait la cimetière. Il était nu. Il a fait porter sa vie. Et que cet homme a porté sa vie. Il avait plusieurs démons. Et que les démons l'ont poussé d'être nu. Et lorsque les démons sont sortis, Christ est venu le couvrir. C'est-à-dire, si quelqu'un reste nu devant lui, s'il y a un esprit. Comment peux-tu une affaire pour mais comment toi tu viens à la faire, c'est tu exposes ton corps comme ça. Tu viens, oui, il s'agit de ça. Ah, parce que c'était comme un esprit spirituel. Et on commence à prier. Oui, même la fête, je vais prier, papa. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est lui qui paye les écoutes. Oui, c'est un combat à l'entrée. C'est lui qui a les Saint-Esprit. Mon toi, ça a voulu mon sang. Quand tu mets là-bas, dis non. Même ton roi la chambre. Même Dieu, ok, dans le magasin. Aujourd'hui, la main, ils sont créatifs dans mon aérobie. Non, non, pas ça. Non, non, on ne dit pas pour condamner les gens. Ça, c'est l'église de Dieu. On doit que prêcher la vérité. Aide-nous, c'est la vérité qui a franchi. Et papa, tu vois ton fils ou ta fille comme ton ça. Et papa, s'il y a des démons, il va faire quoi? Il va laisser. Il va trouver normal. Mais papa, on a voulu mon sang. Non, non, il y a qu'à. Et retourne. Pas ça, change. Laisse-moi vous dire quelque chose. Moi, j'ai 18 ans, 19 ans. Et que ton enfant là qui a 18 ans. Si toi tu comprends que tu es un enfant, mais derrière il y a le papa. Oui, qui est rempli d'abord l'esprit de spiritualité. Dans cet esprit. Non, non, il ne faut pas que tu aies un enfant. Et lorsque si l'enfant ne tombe pas dans la prise des diables, ça commence à faire. Mais quand tu exposes ton père là-bas, l'esprit. Oui, voilà la nourriture. Parce que la personne, la personne s'est exposée. Est-ce que vous dites la vérité? La zone solo. Avance. Hein? C'est très important. Et ça m'a tué ma casse. Parce que ça me coupe mal. C'est ta charge. Le parent, si demain ton enfant est égaré, ce sera ton problème. Toi, vous dites non, 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 viens. Tu as acheté ça, non, pas ça. Tu sais que tu es un enfant, moi, l'ensemble. Il ne faut pas porter ça. Et le Saint-Esprit va le toucher. Non, il va abandonner. Mais toi, tu le laisses les temps. La personne qui est soulevée, c'est les parents. Oui, les parents n'ont pas parlé.
Bazali. Et qui a l'extérieur le monde, il y a le démon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon apoto. Papa, il faut intimité, on parle d'intimité, bon apoto. Ah, l'intimité là. Ok, amen. Il faut une position de famille. Amen. C'est quoi? Oui. Savoir la position de la famille basée, c'est quoi? Sur le parent connaît ses dieux, les enfants aussi. Enseigne les bonnes choses à tes enfants lorsqu'ils grandiront. Tu dois veiller sur tes enfants. Et Seigneur dit qu'on sait, j'ai la bonne à la. Le monde est mauvais, mauvais. La présence des dieux. Bon, ça, Seigneur, ça, mais. Est très important. Et ça, mon Dieu, ma casse. La présence va t'aider. Vous êtes ne manquez pas la présence des dieux. Vous même David. Quand on allait combattre. Vous savez que le Bobunda. Il devait consulter Dieu. Et Seigneur, là, tu vas marcher avec lui. Ce qui colle à vos émotions là. Si Dieu va lui permettre d'aller. Ce qui colle à vos pères, à vos tiens d'ailleurs qu'il est. Même les ministères. Attends, le nom dans le tombe. Voilà. Le message que tu m'avais donné. Il y a mon ma. Ma tête est encore là, c'est égal. C'était pas ça. Depuis le matin, tu as le chercher. Mais je voulais faire la lecture là. Mais ça, pour finir, tu as dit non, pas ça. Je monte ici. Et je vis Apocalypse. Voilà ce que tu as. Au moins, il faut ensemble. Il y a des gens qui ne vont pas prendre le temps. Vous enseignez ensemble. Vous en montez. Pourquoi ça m'agnonce? Vous êtes en la salle? Pourquoi ça m'agnonce? Amen, gnonce. Des choses que papa n'a pas fait sur Dieu. Et que les choses que les parents n'ont pas donné. La présence de Dieu. Vous êtes en la salle? Ça va te donner. Ça va te donner. Maman. Papa. Papa. Amener les enfants. Pardon, mais ma banne, et s'attacher à la présence de Dieu. Lève-nous, acclamons fort, fort, le Seigneur Jésus. Que le vite au côté. Que ce monde ne dépend. On va prier à Dieu. On va dire Seigneur, aide-nous. Tout le monde encore le soir.